إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. L'homme est récompensé ou châtié ou prié de la récompense en fonction de son intention. Le prophète a en effet dit: celui dont l'émigration a pour fin Allah et son envoyé, son émigration sera comptée comme étant pour Allah et son envoyé. Les actes sont jugés en fonction de ce vers quoi ils aboutissent. Il se peut donc qu'une chose qu'il est à la base loisible de faire devienne un acte d'obéissance quand on a l'intention de faire par cette chose un bien, comme par exemple le fait de manger et de boire, dans l'intention d'avoir plus de force pour accomplir convenablement les actes d'obéissance à Allah. Dans ce sens, le prophète a dit: prenez le repas de la fin de la nuit, avant de jeûner, il est toute bénédiction. À l'enseignant de donner à ses élèves des exemples qui rendent évident le statut légal de la chose, le prophète a en effet donné comme exemple de l'émigration qui est le déplacement du pays de l'associationnisme au pays de l'islam, et il a montré que l'émigration, qui est un seul acte, peut être pour une personne une récompense et pour une autre personne une privation de la récompense. Celui donc qui émigre pour Allah et son envoyé sera récompensé et il atteindra son objectif, tandis que celui qui émigre pour acquérir les biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, il sera privé de la récompense dans l'au-delà. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ